Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée au sabbat de Yulé. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir célébrer Yulé. Sachez que c'était le 21 décembre dernier mais que vous avez encore le temps de le faire puisque Yulé, le 21 décembre, c'est le jour même du solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue de l'année. Et à partir de cette nuit-là, à partir du 22, le soleil commence à revenir dans nos vies puisque pour Yulé, nous célébrons le retour de la lumière et vous allez voir que c'est un sabbat qui est particulièrement lumineux. C'est d'ailleurs grâce à ce sabbat que vous célébrez certainement toutes et tous Noël, cette fête chrétienne qui a été complètement calquée sur le sabbat de Yulé, il faut le savoir. Et oui, désolé pour ceux qui sont chrétiens, mais ceux qui fêtent Noël, en fait, vous célébrez une fête païenne, hein. Il faut le savoir, que ce soit la bûche, que ce soit l'arbre de Noël, hein, toutes ces traditions classiques de Noël appartiennent en vérité au sabbat de Yulé. Il n'y a absolument rien de chrétien dans Noël. Yulé, comme je viens de vous le dire, c'est le symbole du retour de la lumière, donc on va célébrer cette lumière, la résurrection de la lumière. On va aussi célébrer le combat entre le dieu Ou et le dieu Shen, à savoir que c'est le dieu Shen qui va remporter la victoire. Le dieu Ou va donc se retirer pour laisser place, eh bien, toutes ces ténèbres, tout ce cycle de sombre, eh bien, on va retrouver un cycle long, un cycle lumineux. Le printemps va revenir. On va bientôt semer, planter pour de nouveau récolter et recommencer un nouveau cycle. C'est pourquoi Yule incarne également la mort métaphorique. Alors ça peut être une sorte de mort aussi physique, hein. Il existe certains rituels qui... alors je vais pas vous les proposer ici sur la chaîne, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que je voudrais pas être responsable de vraies morts derrière, mais il existe certains rituels chez les puristes qui sont assez extrêmes où on va vraiment... imager en fait le principe de mourir, mourir sur le corps physique, sur le plan physique, sur le plan terrestre, pour renaître dans la lumière, pour recommencer un nouveau cycle. Comme je vous l'ai dit sur cette chaîne là, je ne vais pas vous montrer ce type de rituel un peu extrême, donc on va plutôt faire des rituels beaucoup plus sympathiques, qui sont beaucoup plus métaphoriques également. Et la première chose que vous pouvez faire pour Yulé, eh bien c'est un grand ménage. Vous pouvez utiliser toute la période de Yulé, donc entre le 21 décembre et jusqu'au 1er février, à savoir Imbolc, hein, puisque le 1er et 2 février, nous allons célébrer Imbolc. Donc profitez de toute la fin décembre et toutes les énergies de janvier pour faire du ménage, mais vraiment un grand ménage. Là, on n'est pas sur le grand ménage de printemps, mais plutôt sur le grand ménage d'hiver. Et vous allez en profiter également pour faire du tri, c'est-à-dire vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus. Mais c'est aussi une libération des souffrances que l'on traîne depuis un long moment. Alors moi, la vie est quand même pleine d'humour, puisque la souffrance que je traînais depuis plusieurs mois était ma dent, et fait exprès, elle m'a été retirée à la veille de Yule, donc sans le vouloir, j'ai célébré Yule en me débarrassant de cette souffrance que je traînais depuis plusieurs mois. C'est d'ailleurs pour ça que je garde précieusement ma dent, puisque c'est une sorte de trophée de guerre pour moi, et c'est aussi le symbole de cette souffrance que j'ai endurée, un peu comme la croix par exemple, hein, pour le Christ. Voilà, bah, moi c'est ma dent, ma croix c'est ma dent. Et bien sûr, Yule, vous allez pouvoir aussi donc procéder à ce qu'on appelle les résolutions. Vous savez, ces fameuses résolutions du 31 décembre qu'on dit « je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais faire ceci, je vais faire cela » et puis en fin de compte, dès le 1er janvier, on ne respecte absolument rien de tout ce qu'on avait annoncé le 31 décembre. Eh bien, ces résolutions vont prendre la forme de vœux qu'on va faire via un petit rituel qui s'appelle les petits bouts de papier. Je vais vous montrer, c'est extrêmement simple, vous avez juste besoin d'une petite feuille, vous avez besoin d'un petit stylo ou un feutre si vous voulez. Moi j'aime bien écrire mes vœux en vert, puisque souvent on dit que le vert c'est la couleur de l'espoir, c'est aussi la couleur de la nature, c'est la couleur de la vie, donc j'aime bien utiliser le vert quand je fais des vœux. Mais ça c'est moi, c'est propre à moi, hein. Vous êtes bien sûr libre d'utiliser la couleur que vous voulez, vous pouvez même utiliser un stylo bic noir, un crayon de papier, on s'en fiche, hein. Voilà, moi c'est juste que j'attribue à la couleur une énergie spécifique. Et n'oubliez pas que la magie c'est avant tout des intentions, donc c'est très important, la moindre chose qui peut apporter une énergie, une intention supplémentaire, utilisez-la, d'accord ?
Comme d'habitude, je vais vous passer l'étape de former le cercle, etc. Je pense que maintenant vous savez faire hein, un cercle, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez le tracer à la craie, vous pouvez le tracer avec du sel, vous pouvez le tracer avec un bâton dansant, avec votre atamé, avec votre baguette, ou même mentalement vous projeter un dôme qui est autour de vous. Voilà, le cercle c'est vraiment le minimum en termes de protection et de sécurité. C'est vraiment le minimum que vous puissiez faire. Je vous rappelle que le cercle est important, même si vous faites un travail type cartomancie, spiritisme, n'importe quoi, on se protège un minimum. Souvenez-vous l'exemple que je vous cite souvent, la relation sexuelle que vous avez avec un inconnu, ça vous viendrait pas à l'esprit de le faire sans protection quand même, hein, voilà. Bah là, c'est le même principe, on se protège de la même façon. Alors, avant de commencer notre rituel, je vais un petit peu vous expliquer les traditions de Yule. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour Yule? Déjà, vous allez pouvoir vous promener donc en pleine nature, commencer à admirer. Alors, la nature est encore en mode végétatif, elle est encore en sommeil, mais... pour ceux qui savent regarder, on peut voir quand même que la végétation, il y a la présence du vert. C'est d'ailleurs pour ça que l'hôtel va aussi changer et va petit à petit reprendre des touches de vert. Vous pouvez le décorer avec bien sûr du gui, la plante emblématique du mois de décembre. Le gui est la plante aussi emblématique des druides. Hein. D'ailleurs, on la surnomme la plante des druides. On la surnomme aussi les oreilles de cerf. Pourquoi ? Puisque la feuille de gui ressemble effectivement à deux oreilles de cerf. Attention, le gui est une plante mortelle, donc on fait très attention lorsqu'on la manipule. On ne mange absolument pas les baies blanches, d'accord? Puisqu'une dizaine de baies suffit à tuer un homme en bonne santé. Je ne rigole pas, hein, on s'amuse pas avec les plantes, on ne fait pas n'importe quoi. Donc lorsque vous manipulez du gui, vous allez vite vous laver les mains, vous portez pas les mains à la bouche, hein, vraiment. Là, vous faites très attention, soyez vigilant avec le gui. Le gui, c'est une plante qui est extrêmement puissante en termes de protection. On va l'utiliser dans les exorcismes, dans les protections contre toute magie, contre toute énergie négative. Le gui, j'ai envie de dire, correspondrait dans la famille des plantes, le gui correspondrait un peu à l'obsidienne œil céleste, c'est-à-dire que c'est the plant, c'est la plante qui protège, c'est vraiment celle qui va permettre de créer un bouclier à la fois offensif et défensif contre toute attaque, contre toute énergie négative, contre toute forme d'entité. Donc le gui, si vous en avez près de chez vous, allez le récolter et en plus de ça, vous soulagerez les arbres, puisque sachez que le gui est un poison pour les arbres, ça étouffe les arbres et ça finit par les faire mourir. Donc en débarrassant un arbre du gui, vous faites plaisir parce que vous récupérez le gui et en plus vous permettez à ce que l'arbre respire et qu'il puisse retrouver une bonne santé. Donc vous voyez, on fait deux bonnes actions en une. Bien sûr aussi, l'autre plante emblématique, c'est le houx. Donc vous allez pareil être vigilant lorsque vous allez récolter du houx, puisque pour la simple et bonne raison déjà, c'est que les feuilles de houx ça pique, mais que les baies rouges sont aussi toxiques. Ah oui, non mais les plantes d'hiver sont pas très sympathiques quand même. Ah ben c'est pas pour rien qu'on est dans un cycle de sombre, hein, de ténèbres. Hein. Les plantes qui sont présentes en hiver, c'est des plantes qui ne sont pas très sympas, donc on est vigilant lorsqu'on les manipule. Idem, vous ne portez pas vos mains à la bouche, vous ne mangez pas les baies de houx, elles sont toxiques et elles peuvent représenter un risque aussi létal. À plus grosse dose que le gui, mais quand même, hein, on s'amuse pas à manger les baies, d'accord? Le houx, c'est le symbole du masculin sacré. C'est une plante qui est associée aussi au pouvoir, à la force, à la puissance, à l'aspect de vigueur, à la vigorosité. Ça se dit? Non, ça se dit pas bien, hein, à la vigueur, tout simplement. Pourquoi j'ai voulu encore inventer un mot? Je ne sais pas. Je sais pas. Pourquoi j'ai cette tendance toujours à inventer des mots? Je sais pas. C'est comme si on avait déjà pas assez dans la langue française. Je pense quand même que dans la langue française, on jouit d'un panel de mots assez extraordinaire. Ben non, moi, il faut toujours que j'en invente de nouveau. Bon. Évidemment, l'autre plante, un arbre emblématique qu'on va retrouver en hiver, qui est vert toute l'année, c'est bien sûr le sapin que vous allez pouvoir récolter. Alors lui, pas de panique, il est pas dangereux, il est plutôt cool. Au contraire, puisque le pin est même recommandé, l'huile de pin, par exemple, vous permet eh bien de nettoyer vos bronches, vos poumons, vous permet de mieux respirer, ça permet d'assainir l'air. Si vous avez de l'huile essentielle de pin, n'hésitez pas à en mettre dans un diffuseur. Vous allez voir, ça va vous désinfecter la maison.
maison, ça sent bon le propre et surtout vous allez vous sentir aussi plus léger, ça permet de mieux respirer et il faut savoir que c'est aussi un antibactérien. Donc en cette période de pandémie, ça peut être intéressant de désinfecter son intérieur avec des huiles essentielles type Ravintsara qui est un très bon antiviral, huile de pin, huile de cyprès, huile d'eucalyptus, menthe poivrée, clou de girofle, cannelle, hein, cannelle très recommandée par exemple pour les gastro, hein, faut le savoir. Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo, mais c'est cadeau, c'est Noël, j'ai envie de vous faire plaisir, donc voilà, je vous donne plein de conseils comme ça. Et qu'est-ce que j'oublie ? Et puis c'est tout. Vous allez pouvoir aussi rajouter des plantes qui sont secondaires, elles sont pas obligatoires, mais vous pouvez les rajouter en secondaire, comme par exemple le buis qui est souvent associé, vous savez, pour les chrétiens, surtout les catholiques, vous connaissez les rameaux. Voilà, et bien le buis est associé à l'aspect de divin, ça représente tout ce qui est la force, la persévérance, l'espoir. C'est une plante aussi qui permet de conférer la protection. C'est d'ailleurs pour ça moi que j'en ai mis aussi sur ma bûche de Yule, puisque je vais y venir. La tradition de Yule, c'est bien sûr la bûche. Et la bûche, vous la connaissez. Si, vous la connaissez. Elle peut être glacée, elle peut être au chocolat, elle peut être aux fruits, elle peut être tous les parfums que vous voulez. Hein. Oui, parce qu'il y a deux bûches. Il y en a une qui se mange et il y en a une autre qui se mange pas. Mais il faut savoir, pareil, que la bûche de Noël fait aussi partie des emblèmes de Yule, puisque tout simplement, la bûche, le dessert glacé ou crème pâtissière, peu importe, le dessert de la bûche de Noël provient directement de la bûche de Yule. Donc on confectionne une bûche avec traditionnellement du gui, du houx, du pain. On va mettre 3 bougies dessus, généralement 2 vertes et une rouge. Pourquoi 2 vertes et une rouge? Puisque ça va tout simplement symboliser les 2 feuilles de houx avec une baie. Voilà, donc les 2 feuilles vertes avec une baie rouge. Et on va utiliser ce symbole puisque, comme je vous l'ai dit, c'est le combat entre le dieu Shen et le dieu Hou qui va donc perdre. C'est pour ça qu'on va utiliser des bougies puisqu'on va les brûler. Donc le dieu Hou va être consumé par les flammes. Le feu étant un élément de purification mais aussi de renaissance, puisque très souvent après un grand brasier dans une forêt, ça permet aux jeunes pousses qui étaient dans la terre, les petites graines qui n'arrivaient pas à germer parce qu'il y avait trop d'arbres autour, eh bien le feu va permettre de pouvoir nettoyer et purifier tout ça et renouveler le cycle de la vie en permettant aux jeunes pousses de pouvoir eh bien germer et sortir de la terre. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la symbolique des couleurs de bougie pour symboliser le houx que l'on va consumer par le feu. Le feu qui représente aussi l'élément de la lumière, et pour Yule, on célèbre la lumière, donc déjà ce qu'il faut faire impérativement, c'est inonder votre maison de lumière. Là aussi, c'est d'ailleurs pourquoi à Noël, on met beaucoup de lumière, puisque c'est la période la plus sombre de l'année, et on est en train de célébrer le retour de la lumière. Par conséquent, on inonde la maison de guirlandes, de bougies, de voilà, un maximum de lumière pour la ramener dans notre vie. Vous pouvez toujours dans les plantes secondaires ajouter pourquoi pas des glands de chêne ou des branches de chêne qui vont être en opposition avec le houx, comme ça, ça permettra de symboliser de façon concrète sur votre bûche le combat entre le chêne et le houx. Et puis bien sûr, après, libre à vous de rajouter toutes les décorations que vous voulez. Vous pouvez bien évidemment moderniser aussi, hein. On n'est pas sectaire, on n'est pas puriste non plus au point de ne rien tolérer. Donc vous pouvez pourquoi pas ajouter un petit Père Noël, un petit Saint-Nicolas, un petit lutin, des petits rubans, une petite guirlande, des petits grelots, des petites étoiles, voilà. Vous vous faites plaisir, il faut que votre bûche soit avant tout jolie, qu'elle vous plaise. Mais quand même en gardant en tête les symboliques. Vous pouvez également ajouter une bougie blanche. C'est-à-dire que sur les 3 bougies, vous pouvez très bien mettre 2 vertes, une rouge, ou une verte, une rouge, une blanche, ou pourquoi pas 2 rouges, une verte, ou alors 2 blanches, une rouge, 2 rouges, une blanche. Voilà. Peu importe, mais ce qui est important quand même, c'est d'avoir au moins les 3 couleurs présentes sur votre bûche, à savoir le vert, le rouge, le blanc. Le blanc qui représente bien sûr, en théorie, la neige. Oui, parce que, je sais pas vous, mais passé une époque, il neigeait au mois de décembre. Mais ça c'était il y a fort fort longtemps. enfin, peut-être que chez vous, vous avez la chance d'avoir de la neige. Nous ici, il fait 12 degrés, donc autant vous dire que passer le 25 décembre avec 12 degrés et le soleil, moyen. Moi, j'aurais voulu de la neige, hein, mais bon. Amis canadiens ou tous ceux qui habitent dans les pays du Nord qui nous regardaient, si vous pouviez m'envoyer un petit peu de neige par colis, enfin j'ai peur qu'elle arrive, ce sera de l'eau, mais
Non, donc blague à part, bien sûr la bougie blanche représente l'aspect de pureté, mais l'aspect de neutralité, puisque Yule, je viens de vous le dire, c'est un nouveau départ, on recommence quelque chose, c'est un nouveau cycle. Donc par conséquent, le blanc n'étant pas une couleur, comme le noir, ce sont des valeurs, hein, le blanc et le noir, et donc le blanc va symboliser l'aspect de neutralité, quelque chose voilà, qui est neutre. D'ailleurs, pareil, il faut savoir que la lumière blanche, en vérité, lorsqu'elle passe dans un prisme, elle se divise, toutes les ondes de la lumière vont se diviser pour faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à l'inverse, lorsque vous passez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc dans le sens inverse, ça va vous faire un faisceau de lumière blanche. Le blanc est donc la couleur qui comprend absolument tout et qui est le symbole même de la neutralité. Et aussi de la neige, comme je vous l'ai dit. Et le rouge et le vert. Voilà, ce sont les trois couleurs. Et d'ailleurs, là aussi, je vous apprends rien, mais les couleurs traditionnelles de Noël sont le rouge, le vert et le blanc. Voilà. Donc encore une fois, hein, je vous le dis, je vous le redis, mais Noël n'a absolument rien de chrétien. D'ailleurs, l'arbre de Yule, c'est l'arbre de Noël. Hein. C'est-à-dire que si vous mangez de la bûche et que vous avez fait votre sapin de Noël et que vous dites être chrétien, y a un problème parce qu'en fait, tout ce que vous venez de faire, c'est totalement païen. Pour le petit rituel que je vous propose de faire, vous allez voir, il est extrêmement simple. Donc bien sûr, on allume des bougies de partout, on s'allume un petit peu d'encens une fois qu'on a fait son rituel de protection. Moi, je vais me prendre du Palo Santo. Pourquoi ? Parce que le Palo Santo étant du bois et que le bois est mis à l'honneur pendant la période de décembre avec la bûche, entre autres. Lorsque je vais pratiquer au mois de décembre, je vais utiliser principalement du Palo Santo plutôt que les résines que je vais garder plutôt pour des choses un petit peu plus festives. Comme d'habitude, on purifie son espace de protection, on se purifie aussi soi-même, donc on fait passer la fumée de l'encens, on fait passer au-dessus de notre autel, de notre espace consacré. Et vous allez voir, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment très très simple. Vous aurez juste besoin d'une bougie jaune. Si vous avez, pourquoi pas, alors là aussi, ne vous sentez pas obligé d'acheter, d'accord? Moi, je vous montre des choses, c'est comme d'habitude. Moi, je propose, toi, tu disposes, d'accord? Donc, vous pouvez très bien adapter et ne vous sentez pas obligé d'acheter parce que Jojo, il a fait comme ça. Donc, Jojo a dit, donc il faut que je fasse comme Jojo. Non, Jojo vous dit, tu fais comme tu veux. Mais j'utilise un bougeoir en forme de soleil sur lequel je place une bougie ronde sphérique de couleur jaune pour vraiment incarner le soleil, puisque pour le solstice d'hiver, nous célébrons le retour du soleil. Donc il va vraiment être mis en avant et on va faire donc une petite formule, une petite prière très simple, pareil qui est issue des chants de pouvoir de Julien Miavril et Gulliver l'aventurière. Je vous avais dit que je le surkiffais ce livre, qu'on y trouve absolument tout dedans. La prière que je vais utiliser est la puissance solaire. Je trouve qu'elle est super bien réalisée, elle est bien écrite, elle est vraiment jolie. C'est une belle ode à notre étoile. Et ce que je propose, eh bien, c'est de commencer le rituel. Je vous rappelle qu'on commence toujours le rituel par faire sonner la cloche. Pourquoi ? C'est pour attirer l'attention des entités qui nous entourent, des esprits qui vont nous écouter, comme pour dire « Eh oh, je suis là, écoutez-moi, coucou, je vais parler. » Voilà, la cloche. Donc vous utilisez une cloche, un bol tibétain. Pourquoi pas, si vous n'avez ni cloche ni bol tibétain, vous pouvez très bien prendre votre calice, un petit caillou. Vous voyez, juste en tapant délicatement sur le rebord, ça fait office de cloche, hein. Comme d'habitude, je propose, tu disposes, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. N'hésitez pas à recycler et à faire avec ce que vous avez, ok? Donc on y va, on commence, on sonne la cloche. Nous allons maintenant réciter notre ode au soleil et c'est une fois que nous aurons récité l'ode au soleil que nous allons allumer notre astre solaire. Comme pour symboliser la nuit de Yule, donc cette nuit qui est extrêmement longue et le retour du soleil que l'on attend, hein, puisque la nuit de Yule, il faut savoir qu'elle a été extrêmement longue cette année, puisqu'elle a fait plus de 16 heures. Vous imaginez, sur une journée de 24 heures, il a fait 16 heures de nuit, c'est quand même assez long. Donc,
Donc si on passe, parce que certains traditionnalistes passent la nuit entière de Yule, ils la passent blanche, à attendre les premiers rayons du soleil qu'ils vont célébrer et accueillir le soleil. On va faire une grande prière, une grande célébration pour accueillir le soleil, pour l'inviter à monter encore plus haut dans le ciel, pour l'accompagner dans son ascension. Voilà. Et nous, on va imaginer ça avec donc cette bougie. On va commencer par notre aude et ensuite on allumera la bougie. Soleil qui éclaire et réchauffe le corps et le cœur avec un même amour de tous les enfants du Créateur. Soleil sacré qui pourvoit à tout être et toute vie, manifestation une et indivisible du Grand Esprit. Béni sois-tu, ô Père du vivant et palpable univers, amant dévoué et protecteur de notre mère la Terre, et frère de l'obscur, éclaire lune énigmatique, qui règne sur la nuit et veille sur tes songes oniriques. Je me place tout entier sous ta protection en ce jour sacré, afin que de ta lumière tu viennes m'emplir et m'illuminer, afin de sentir la présence fortifiante de tes déesses et de tes dieux, et pour que tu sois et pour que je sois ainsi protégé par ton puissant bouclier de feu. Amen. Et maintenant que nous avons terminé notre ode, nous allons pouvoir allumer notre soleil. Et on va essayer de visualiser, en même temps, on va fermer les yeux et imaginer qu'on soit en haut d'une colline et que nous avons l'horizon qui tout doucement est en train de s'enflammer de rose, d'orange, de jaune et que tout doucement on commence à sentir les premiers rayons qui percent la cime de l'horizon, les rayons qui traversent les arbres lointains. Imaginez, vous la voyez la scène? Je suis sûr que vous la voyez là. Et maintenant, on ressent la chaleur du soleil et sa lumière qui maintenant nous inonde. Et nous célébrons pleinement le retour de la lumière et du soleil dans nos vies. Pour accompagner, c'est un soleil nouveau, c'est un soleil de renaissance, c'est un soleil de vie. Donc nous allons lui formuler des vœux, nous allons formuler nos résolutions. Donc si vous avez besoin de certaines choses, si vous êtes motivé à vous engager dans de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles envies, en finir aussi avec certaines souffrances, vous débarrasser une bonne fois pour toutes du passé, c'est le moment, c'est la période hein, pour Yule, pour faire toutes ces choses-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous munir d'une petite feuille de papier, vous allez m'écrire des vœux, des résolutions, des choses que vous avez envie de faire, qui soient réalistes et réalisables, et surtout que vous vous engagez à réaliser, d'accord? Hein, les résolutions, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de ne pas en prononcer comme ça, le 31 décembre, ça veut rien dire. Non, là, faites des choses que vous êtes sûr de pouvoir tenir. Je vais vous reprendre l'exemple du régime. Vous voulez perdre du poids, ne dites pas que pour cette année qui arrive, vous allez perdre 30 kilos. Non, si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, dites plutôt pour 2022, je vais perdre au moins 5 kilos. Voilà, ça c'est un but qui est réaliste et qui est réalisable et vous y parviendrez parce que 5 kilos en un an, c'est vraiment rien, c'est faisable, c'est très très réalisable. Par contre, 30 kilos, il va falloir beaucoup de volonté, ça va remettre en cause beaucoup de choses, vous allez être contraint par beaucoup d'obligations. Voilà, donc fixez-vous des résolutions qui soient réalistes. Pareil, si vous voulez arrêter de fumer, ne dites pas cette année j'arrête de fumer. Non, vous savez que vous n'y arriverez peut-être pas. Donc il vaut mieux que vous disiez, cette année je vais réduire de moitié ma consommation de cigarettes. Et puis je verrai l'année prochaine pour arrêtez cette fois-ci, voyez? Faites par palier. Ne vous lancez pas des défis que vous ne vous sentez pas, que si vous n'êtes pas prêt, si vous savez que vous n'y arriverez pas, ne le faites pas. Lancez-vous des résolutions, des challenges, des choses qui soient réalistes et réalisables. Afin de pouvoir les envoyer comme d'habitude dans l'air, à chaque fois de brûler votre vœu, vous allez le réciter et essayer de visualiser l'objectif. C'est-à-dire que lorsque, là, voyez, par exemple, j'ai demandé la santé. Chose classique, hein, je pense qu'on va être nombreux à demander la santé. Mais imaginez que lorsque vous allez dire à haute voix avoir la santé, je veux la santé, visualisez-vous en parfaite santé. C'est-à-dire que nous sommes à Yule en 2022. Vous y êtes là? Ah, vous avez vu, c'est passé très vite l'année. Hein. Bah, vous voyez, finalement, elle s'est bien passée 2022. Hein. J'ai beaucoup aimé la période de juin, je sais pas vous. Pourquoi juin? Ça veut rien dire, hein. C'est totalement arbitraire ce que je viens de dire. Donc j'espère qu'il n'arrivera rien au mois de juin 2022.
Mais voilà, imaginez que nous sommes à Yulé 2022 et que vous êtes en parfaite santé, que tout va bien, que vous avez passé une bonne année, qu'il ne s'est rien passé. Vraiment, projetez-vous, d'accord? C'est ça qui va donner aussi de l'intention et de l'énergie à vos vœux, à vos promesses, d'accord? Donc, vous allez les réciter à haute voix et ensuite vous les jetez dans votre petit incinérateur, votre chaudron, peu importe. Une fois que vous avez terminé de prononcer vos vœux avec la flamme de ce soleil nouveau, vous pouvez, si vous voulez, repurifier, permettre à vos vœux qu'ils se diffusent avec l'élément de l'air, qu'ils se mélangent dans la fumée de l'air. N'oubliez pas d'ouvrir votre fenêtre ensuite, hein. Rappelez-vous ce que je vous disais. Si vous écrivez une lettre mais que vous ne l'envoyez pas à la poste, comment voulez-vous que votre message s'envoie? Là, c'est le même principe. Si vous n'ouvrez pas la fenêtre, comment voulez-vous que vos vœux qui sont diffusés dans l'air puissent aller à l'extérieur? Donc, vous ouvrez les fenêtres, ne serait-ce que si vous craignez un petit peu l'odeur, de vos encens, etc. Ou si vous avez enfumé toute votre pièce, ne serait-ce que pour aérer, changer d'air également, mais pour aussi envoyer vos vœux. Vous pouvez également, et ça je vous le conseille, afin de protéger vos vœux de tout mauvais sort, c'est-à-dire si quelqu'un était mal intentionné ou si quelqu'un travaille sur vous, vous allez sur vos vœux mettre du sel. Donc vos vœux qui ont été brûlés, vous allez jeter du sel afin de créer une sorte de préservatif énergétique. Hein. Si quelqu'un travaille sur vous, ça va permettre d'envelopper vos vœux dans une bulle comme ça protectrice qui empêchera d'être attaqué et que ce que vous avez demandé ne puisse pas se réaliser à cause de Pierre-Paul ou Jacques qui est en train de travailler sur vous. D'accord? Vous pouvez également, pour fluidifier la demande, utiliser de l'eau lunaire, de l'eau que vous avez récoltée dans un lac, dans la mer, dans votre petite rivière, dans un puits, dans une source, dans une bouteille d'eau, hein, tout simplement. Et ça permet aussi de fluidifier les demandes. Il faut savoir, et ça je vous le rappelle, que l'eau c'est un élément mutable, c'est aussi l'élément qui permet de faire la transition et la jonction entre le plan physique et le plan spirituel. Donc l'eau permet d'activer les choses et permet de fluidifier les rapports entre le plan physique et le plan spirituel afin que vos vœux puissent passer directement de l'autre côté, que ce soit beaucoup plus fluide, hein, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait rien du tout, puisque l'eau s'insinue absolument partout, eh bien vos vœux s'insinueront absolument partout. Même si vous êtes face à des portes bloquées, eh bien sous les portes, il y a toujours un passage et l'eau peut passer en dessous. Donc vos vœux passeront aussi en dessous des portes, même si elles sont fermées. Et ça permettra justement peut-être de déverrouiller certaines portes. Voilà donc mes chers amis pour ce rituel, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très très simple, que vous pouvez réaliser de façon vraiment ludique. Je vous invite aussi à réaliser votre bûche de Yulé. Ça, vous pouvez le faire avec les enfants. Nous, on l'a fait avec le petit, il a adoré, très clairement. Même tout le monde a adoré en fait, hein. Tout le monde l'a fait à la maison. La bûche, c'est vraiment un atelier qui est ultra ludique, qui est super sympa. Et là, je vois déjà vos commentaires arriver en me disant, oui mais Jojo, qu'est-ce qu'on en fait après de la bûche? On les collectionne pas toutes les années, et on se retrouve avec 50 bûches au bout de quelques années? Non, bien sûr. L'ancienne bûche de Yulé sera brûlée dans la cheminée. Alors pour ceux qui ont une cheminée, sinon faites ça en extérieur dans votre jardin, mais soyez prudent, hein, on joue pas avec le feu. Ne faites pas ça à l'extérieur de votre jardin, c'est-à-dire en pleine nature, c'est interdit, je vous aurais averti. Donc si vous vous retrouvez avec des problèmes, ce sera votre problème, moi je vous aurais dit que c'était interdit, hein, d'accord? Mais voilà, traditionnellement, on brûle la bûche. Si vous ne pouvez pas la brûler, essayez au moins de la découper en morceaux avec une scie, hein, vous me la découpez en morceaux et vous partez au moins la donner dans la nature, soit vous l'enterrez dans la terre, soit vous la vous l'éparpillez dans une forêt, mais voilà, vous la rendez à la terre si possible. Et pour ceux qui peuvent la brûler, eh bien cette bûche-là, moi je vous donne un conseil, après libre à vous de le faire comme vous voulez. Mais traditionnellement, on dit que la bûche de Yule permet d'allumer le premier feu de l'année. Bon, à savoir que il fait quand même froid parfois à partir de novembre, parfois même à partir d'octobre, donc les cheminées sont rallumées un peu avant. Mais si vous voulez marquer le coup, éventuellement, vous pouvez utiliser votre bûche de Yule pour allumer le premier feu de la journée. Hein, soit le premier feu de la journée de Yule, le 21, soit le premier feu de Noël, soit le premier feu du 1er janvier. Voilà. Après, libre à vous de fixer à
quelle date vous voulez et quelle sera la symbolique pour vous, d'accord? Hein, moi, je suis pas puriste à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, la magie, on s'adapte. On est en 2022 bientôt. Donc, l'essentiel, c'est que les traditions soient toujours là et après, libre à soi de se les approprier et de les adapter. Allez, tout de suite maintenant, les amis, je vous propose qu'on se laisse sur une seconde partie de vidéo avec une petite surprise, une petite review de Noël. Enfin, vous allez voir, je vous dis rien, c'est la surprise. Comme je vois déjà vos commentaires arriver pour me demander si le Père Noël m'a gâté, si j'ai été sage, si je n'ai pas eu de charbon sous le sapin. D'ailleurs, ça aurait été appréciable d'avoir du charbon sous le sapin, parce que quand on est magicien, avoir du charbon, c'est très utile, par exemple, pour allumer les résines, les encens, etc. Donc j'ai envie de vous dire, si j'avais été sage ou pas sage, sur les deux tableaux, j'étais gagnant. Hein. Donc pour le coup, là, le Père Fouettard, tu te sens roulé. Hein. Mais oui, visiblement, j'ai été sage, malgré que je n'avais strictement rien commandé au Père Noël et que je n'attendais absolument rien, eh bien il en a décidé autrement. Et c'est pour ça que je vais vous montrer. Alors vous inquiétez pas, je vous ai prévu de vous faire des vidéos complètes qui seront dédiées à ces deux petites pépites, parce qu'elles méritent qu'on s'y attarde. Et je pense, sincèrement, je pense que ça va vous plaire, parce que là, je vais vous présenter deux choses qui sont des outils qui sont très... Alors oui, je sais, j'ai l'impression que je me répète tout le temps quand je vous dis à chaque fois ce sont des outils, c'est utile, etc., etc. L'argumentaire commercial, on le sent quand même. On sent que j'ai été commercial quand même, hein, à une époque de ma vie. Hein. Mais non, non, je promets. Je promets que là, on est sur deux pépites, vraiment deux pépites, et que je reluquais depuis un petit moment, puisque je les avais vues sorties, et je guettais aussi leur sortie. Alors, il y en a un que j'avais feuilleté, je l'avais touché en vrai, je l'avais feuilleté, oui, puisqu'il s'agit d'un livre. Et pour le deuxième, j'avais vu des reviews, mais à l'époque, il était en anglais, et là, il est sorti dans une version française, plutôt pas mal traduit. Bon, il y a juste deux, trois petites coquilles, mais ça, j'en dire, c'est un petit peu normal, hein, quand on fait une traduction anglaise à française, elle peut pas être totalement parfaite, sachant qu'il y a des termes anglais qu'on peut pas tout à fait traduire en français. Donc voilà, il y a des petites coquilles comme ça, mais elles sont tellement minimes que ça gênera absolument rien. Et puis le coffret en lui-même est très beau, le jeu également est très beau, vous allez le voir. Et surtout, alors je vous avertis, âme sensible s'abstenir, commentaire désobligeant s'abstenir aussi. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, même si vous ne l'avouez pas, parce que vous le savez, hein, on est dans la spiritualité, on évolue beaucoup dans la lumière, les licornes, les paillettes, les tout ça, mais on va pas se leurrer, et ceux qui me diraient le contraire seraient franchement hypocrites. Beaucoup s'intéressent à l'univers du spiritisme, à la démonologie, à la goétie, etc. Si, vous êtes des petits satanistes derrière vos écrans, je le sais. Donc justement, je vais vous proposer un tarot qui va franchement vous intéresser. Alors, j'exagérais quand je parlais de satanisme, parce que c'est vrai que le tarot, il est impressionnant par la thématique qu'il traite. Il pourrait faire peur. J'ai eu des commentaires justement sur Instagram qui me demandaient si c'était pas risqué d'avoir un jeu comme ça. Alors, j'ai envie de vous dire que non. C'est pas plus risqué qu'avoir un oracle classique, un tarot, un Lenormand, un n'importe quoi. Puisque je vous l'ai dit très souvent, lorsque vous pratiquez la cartomancie, vous ouvrez une fenêtre. Hein. C'est une fenêtre sur l'autre monde. C'est pour ça qu'il faut se protéger, qu'il faut faire un cercle de protection, qu'on tire pas les cartes n'importe comment, à n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Non, c'est un travail occulte, et qui dit travail occulte dit qu'il faut mettre des règles de sécurité un minimum. Voilà. Donc non, rassurez-vous, le fait de posséder ce tarot ou de le manipuler, vous n'allez pas finir possédé, vous finirez pas collé au plafond avec la tête qui tourne en vomissant de la purée de petits pois, vous risquez rien, hein. Par contre, le deuxième outil que je vais vous montrer, il y a certaines choses à l'intérieur qui pourraient vous faire tourner la tête à l'envers, qui pourraient vous faire vomir de la purée de petits pois, hein, parce que il y a deux trois choses qui voilà, vous allez comprendre quand je vais vous le montrer. Alors, c'est pas des reviews là que je vous fais, ce sont des espèces de previews, des présentations, hein. Je rentrerai dans le détail quand je vous ferai les vidéos dédiées. Alors, pour le premier, il s'agit d'un grimoire, et j'ai été très surpris d'une part par la qualité du grimoire, que ce soit la qualité d'impression, d'illustration, le prix aussi, parce que le prix est franchement attractif pour, quand même, je vous le montre, un gros grimoire de format A4, couverture rigide, épaisse, pas mal de pages, on est sur
On est sur un peu plus de 200 pages, on est sur presque 230 pages. Donc niveau prix, on est à 24,90 €. Ce qui m'a surpris, c'est l'édition aussi, parce que alors ils ont une très bonne réputation, hein, ils sont connus depuis des millénaires. Il s'agit des éditions Larousse, qui sont réputées pour pas mal d'ouvrages. Mais par contre, je ne savais pas que ils avaient une section comme ça, un petit peu magie, et j'ai été agréablement surpris par le contenu du livre, puisque je l'avais vu passer dans des reviews. Je l'avais vu passer aussi sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance de le voir en vrai quand je suis allé au centre culturel Leclerc. Il y était et je me suis dit tiens, je vais le feuilleter, je vais le voir, et j'ai été mais agréablement surpris. Déjà qu'il me faisait de l'œil et visiblement le Père Noël, vous voyez, il voit tout le Père Noël, il voit tout, hein, parce que il a vu que ce livre me plaisait et il atterrit comme miraculeusement sous le sapin, hein, incroyable. Et je regrette pas du tout, parce que franchement, il est vraiment bien. Ce grimoire a été créé par Pauline Capmas de la Rue et Michel Villard, illustré par Océane Laissouk. J'espère que j'ai tout bien prononcé. Aux éditions Larousse. Et il s'agit du grand livre des plantes de sorcières, qui va répertorier 80 plantes de sorcières. Et je peux vous dire que moi, qui suis très branché plantes, j'ai pas mal de grimoires qui traitent des plantes magiques. Et effectivement, on va retrouver les principales plantes utilisées en sorcellerie. Ça va aller de la mandragore à la belladone, à la digitale, en passant par l'ail, le romarin, la sauge, vraiment toutes les plantes utilisées en sorcellerie, autant les plantes les plus dangereuses. C'est pour ça que je vous disais que avec celui-ci, vous pourriez potentiellement vous retrouver avec la tête qui tourne et vomir de la purée de petits pois, parce que si vous consommez de la belladone, de la digitale, de la mandragore, des choses comme ça, vous pourrez facilement imiter la petite gamine possédée, là. Facile. Easy, easy. Hein. Et c'est un très très bel ouvrage, donc qui est en format A4. À l'intérieur, on va retrouver des illustrations comme si c'était un herbier, donc des illustrations en aquarelle qui sont très réalistes, qui sont vraiment bien, bien, bien faites, bien réalisées. On va retrouver tout un descriptif sur la page qui va nous présenter les vertus de la plante, son origine, son histoire, son côté magique, etc. Vraiment, je le trouve super bien fichu. Je rêvais, c'est difficile, moi je suis assez exigeant sur les grimoires de plantes magiques parce que j'aime bien l'aspect herbier. Et je voulais justement depuis longtemps un livre qui fasse herbier. Alors on en trouve des livres herbier, mais qui vont traiter plus du côté scientifique en fait de la plante. On va plus être sur le côté jardinerie, voyez, vraiment sur le côté pointu, que sur le côté un peu ésotérique. Et dans ce livre justement, on va avoir l'aspect herbier des plantes. En plus de ça, on va aussi avoir des sections qui vont nous donner des recettes, qui vont parler des sabbats. Et ça, c'est un truc que j'ai apprécié sur les sabbats, parce que alors les sabbats, on va quand même dire la vérité, c'est que dans tous les livres traitant de magie, on retrouve à chaque fois les sabbats, tout le temps. Mais par contre, ce que j'ai apprécié dans celui-ci, il y a une petite nuance, c'est que donc les sabbats, ils sont traités, mais de façon concrète, c'est-à-dire que parfois les sabbats, surtout quand on débute, on sait concrètement pas trop comment les réaliser, même si on connaît leur signification, on sait pas forcément comment les célébrer, comment, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Et bien justement, dans ce livre, vous allez trouver quoi faire, puisqu'il va y avoir des recettes, on va vous expliquer pas par pas qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez travailler. C'est vraiment, je trouve que la façon qu'ils ont eu d'aborder les sabbats est particulièrement ludique, et tout ça donc mélangé et dilué avec la description de 80 plantes de sorcières. Franchement, c'est une belle pépite. Si vous êtes fan de l'univers de la magie dite verte, que vous êtes fan de tout ce qui est phytothérapie, que vous aimez particulièrement les plantes et travailler avec, honnêtement, celui-ci, vous allez y trouver un guide très intéressant, vraiment. Et pour le second petit cadeau, eh bien, il s'agit du tarot occulte de Travis McHenry. Alors, il a aussi sorti le tarot des anges, mais je sais pas s'il a encore été traduit en français. Je crois, je veux pas dire de bêtises, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est toujours en version anglaise. Donc, j'imagine que si Trédaniel, puisque c'est aux éditions Trédaniel, édition Exergue exactement, mais c'est Trédaniel. Donc j'imagine que si Trédaniel a traduit celui-ci, il devrait traduire le tarot des anges, mais peut-être qu'il est déjà traduit, donc c'est pour ça que je m'avance pas trop, parce que je sais pas, j'ai pas l'information, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Mais celui-ci, c'est sûr qu'il existait uniquement en version anglaise, et donc là, il est sorti récemment,
aux éditions Exergue en version française. Et honnêtement, on est sur un très joli coffret. J'ai été bluffé. Et je vais réitérer ce que je dis, je trouve que Très Daniel, en termes de qualité, il s'améliore grandement. Il propose des trucs qui sont franchement sympas, vraiment. Là, on est sur une qualité de cartonnage, le coffret, il est super épais. On est sur une finition touchée, légèrement peau de pêche, c'est du soft touch, mais c'est pas trop prononcé, mais voilà, on sent cette sensation. Regardez un petit peu la couverture, donc on est sur du noir mat, avec toute l'écriture et les sigils qui ressortent en rouge, rouge satanique, hein, rouge lucifer, rouge brillant. C'est vraiment, je trouve, très élégant. On tombe pas, et c'est ça que je reproche, c'est qu'il existe quelques jeux qui vont traiter des démons, mais on tombe, je trouve, hein, on tombe quand même rapidement un peu dans le truc, dans le trip, dans le délire sataniste, et je cautionne pas, surtout que le satanisme, si vous saviez comme ça m'énerve. Je vous ai prévu d'ailleurs une vidéo pour vous démystifier le satanisme, parce que vous êtes très nombreux à avoir l'image du pentacle inversé, de la croix inversée, alors que tous ces symboles là n'appartiennent absolument pas au satanisme, hein. C'est comme l'histoire du Baphomet, c'est pareil, c'est exactement pareil, mais je vous ai prévu une vidéo. Et justement, je trouve que dès qu'on aborde le sujet des démons, on se retrouve dans des délires qui sont pas les miens. Et pire encore, je trouve qu'il y a un manque de respect par rapport aux démons. On voit que le sujet n'est pas maîtrisé. On voit que ces personnes-là, elles vont entretenir une sorte de folklore, de cliché pour soit faire peur, pour alimenter un truc, pour donner une énergie. Et non. Et dans ce tarot-là, eh bien non, il n'y a pas de cliché, rien du tout. À part le seul cliché, ce serait le noir et le rouge, histoire de faire un petit peu le truc église de la nuit, mais hormis les deux couleurs choisies, mais et encore, je trouve que ce noir et ce rouge, c'est vraiment très élégant, c'est fait avec bon goût, sincèrement. Regardez l'intérieur du coffret, donc il s'ouvre comme ceci. C'est pas une boîte cloche, hein, regardez, c'est pas une boîte cloche, mais il se ferme pas complètement, donc du coup on n'a pas de difficulté à le retirer. On est vraiment sur du carton très épais, regardez ça un petit peu, le coffret est vraiment super beau. On a un petit ruban en satin noir pour retirer le guidebook. Le guidebook est franchement de qualité, même le guidebook est en soft touch, il a cette finition un peu peau de pêche. J'ai été épaté par l'intérieur du guidebook, regardez ça un petit peu, on est sur du papier glacé de bonne qualité, avec les cartes en grand, je crois même, je vais pas vous dire de bêtises, mais les cartes sont presque à taille réelle. Regardez ça un petit peu, les cartes sont presque à taille réelle. Franchement, et il est super bien fait le guidebook. Sincèrement, il est vraiment pas mal du tout, hein. Vraiment plus que bien. Mais pareil, c'est pas une review que je suis en train de vous faire là, c'est juste une sorte de pré-review pour vous montrer. L'intérieur est comme ceci, regardez, on va avoir donc un coffret pareil avec le petit ruban qui nous permet de pouvoir retirer les cartes. On sent l'inspiration Arcana Sacra quand même un petit peu, hein. Oh, il est mauvaise langue, Jojo. Ouais, il est mauvaise langue. Et les cartes sont superbes. Regardez ça un petit peu. Niveau qualité, on est sur de la qualité bien, très bien. Ni trop épaisse, ni trop souple. On est quand même sur un tarot, donc 78 cartes. Si on avait des cartes trop épaisses, ça le ferait pas, vraiment. On est sur une finition mat. Et malgré tout, les cartes glissent super bien. Regardez un petit peu, les cartes sont vraiment très jolies, je trouve. Le derrière, pareil, on est sur quelque chose de très mystérieux, en marbré noir et rouge avec un sigil. Et alors, je vous disais, c'est un tarot et c'est un oracle à la fois. Regardez, je vais vous montrer les cartes. Alors, je m'en prends une qui va me faire office d'anti-sèche. Alors, tout en haut, on a la correspondance de la carte du tarot. Donc là, par exemple, pour le Baphomet, c'est le magicien. Ensuite, on va avoir le nom ici du démon. Même si le Baphomet, concrètement, c'est pas vraiment un démon, hein. Je voulais expliquer là aussi, hein, ce que c'était le Baphomet. Mais bon, admettons. Donc, le nom du démon. En dessous, je sais pas si vous allez voir, il y a un nom hébraïque qui est en fait la correspondance de l'ange, puisqu'il faut savoir que chaque démon a une correspondance angélique aussi, et donc on va avoir le nom hébraïque de l'ange. Ensuite, donc l'illustration, les illustrations, j'aime beaucoup parce que c'est les illustrations classiques des démons qui ont été créées. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que ces illustrations ont été créées, alors je me souviens plus du nom du gars, mais ça a été créé au 19e siècle.
vers 1800, je crois. De toute façon, je vous en parlerai mieux quand je vous ferai la review, hein. Je vous donnerai toutes les infos. Et ces illustrations, c'est les plus emblématiques, j'ai envie de dire. Ensuite, en dessous, on va avoir la description du démon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il apporte, de quoi il est responsable. Et chose très franchement intéressante pour ceux qui pratiquent la goétie, c'est super intéressant puisqu'on va retrouver les sigils. Alors, pour le Baphomet, c'est pas représentatif parce que ce sigil-là, vous voyez le pentacle inversé avec la tête de bouc, c'est un symbole qui a été créé de toutes pièces par Aleister Crowley, donc c'est pas un symbole satanique officiel, enfin là aussi c'est un sujet particulier. Donc on va prendre un autre démon avec celui-ci, vous voyez on va retrouver le sigil ici et on va retrouver ces sceaux d'invocation, non pardon là c'est le sceau d'invocation et là on va retrouver le sigil, et ça je trouve ça super intéressant parce que du coup pour ceux qui travaillent avec l'énergie des démons, et faut pas avoir peur de travailler avec les énergies des démons. N'oubliez pas que la plupart des démons sont des anges déchus, avant tout. Hein, ce sont des anges à la base. Donc ils possèdent cet ADN divin, cet ADN angélique. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'il n'y a pas de super guerre entre lumière et ténèbres, que la lumière ne gagnera pas sur les ténèbres. C'est même plutôt l'inverse, hein, puisque je tiens quand même à vous rappeler que la lumière est diffusée grâce à nos étoiles, à nos soleils, et qu'un jour, dans quelques milliards d'années, tous les étoiles de tout l'univers finiront par s'éteindre. Donc c'est plutôt la victoire des ténèbres en vrai, hein. C'est pas la lumière qui gagne, hein. Ah oui, ah ben désolé, je viens de vous gâcher votre journée, mais c'est vrai. Regardez un documentaire sur Arte, vous verrez que je vous raconte pas des gagades. Bon. Donc le fait de travailler avec les énergies sombres, ça permet aussi de travailler notre partie sombre, à savoir tout le côté charnel, les désirs humains, nos failles, nos faiblesses, nos peurs, nos doutes. Et justement, c'est en travaillant nos failles qu'on peut devenir plus fort, puisque lorsqu'on connaît nos faiblesses, lorsqu'on connaît nos peurs, eh bien ça nous permet de pouvoir les contrôler, de pouvoir les maîtriser, de pouvoir les surpasser. Et lorsqu'on se surpasse de certaines choses, comme les vices, les peurs, tout ce qui nous emprisonne et nous bloque, eh bien on ne peut que évoluer et avancer. Que lorsqu'on évolue toujours dans la lumière, bah on n'est pas capable de faire ce travail d'introspection en se disant, vraiment en cherchant les choses qui bloquent. Non, on va toujours chercher une solution qui va agir un peu comme un pansement, comme pour cacher quelque part. Mais non, la part d'ombre, justement, quand on travaille l'ombre, c'est bah, plutôt un scalpel qui va venir creuser comme ça, qui va venir crever l'abcès, hein, il va gratter jusqu'à la chair, il va balancer un bon coup d'alcool dessus, et après ça peut cicatriser. Et ben le travail de l'ombre nous permet ça. Et ce tarot, je suis vraiment pressé de vous le montrer parce que vous allez le découvrir. C'est une pépite, je trouve. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser comme un tarot puisqu'il y a les références du tarot. Alors par contre, évidemment, niveau illustration, vous n'aurez pas les arcanes du tarot. Hein, que ce soit la famille des coupes, des bâtons ou les arcanes majeurs. Non, vous n'aurez pas les illustrations du tarot. Vous avez juste la référence en haut. C'est-à-dire 7 d'épée, 8 de bâton, magicien, c'est tout. Vous aurez juste le titre en fait. Hein. Donc pour utiliser soit comme tarot, soit vous pourrez l'utiliser comme oracle, parce que du coup les démons, alors pour ceux qui ne connaissent pas les démons, vous avez le descriptif de qu'est-ce qu'ils font, et à partir du descriptif, telles des phrases clés en fait, vous allez prendre les mots clés, vous allez pouvoir l'interpréter, donc du coup vous allez pouvoir l'utiliser comme oracle, et en plus de ça vous allez pouvoir l'utiliser dans la magie et dans la magie pratique, puisque vous avez les sigils, vous avez les sceaux, donc vous allez pouvoir vous en servir comme figure, comme emblème, comme talisman. Vraiment, je trouve que ce jeu, il fait partie des jeux exceptionnels. Honnêtement, je le trouve d'une part très beau, c'est très élégant. Vous voyez, quand je vous disais, c'est pas cheap, ça fait pas sataniste. Non, ça fait pas sataniste. C'est élégant, c'est de bon goût et surtout Trévis, je trouve qu'il a fait un travail remarquable avec ce tarot. S'il a fait le même avec les anges, j'avoue, je vais peut-être me laisser tenter aussi par le tarot des anges parce que celui-ci m'a vraiment convaincu, mais je vous en parlerai mieux dans la review consacrée. Voilà donc mes chers amis pour cette partie de vlog consacrée au petit cadeau de Noël. Voilà pour cette vidéo spéciale Noël Yule. J'avais attendu puisque je voulais vous faire les deux, la transition avec Yule et Noël. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre plein de pouces bleus, pour la partager, pour commenter, pour vous abonner à la chaîne, cliquer la cloche de notification. Bref, vous connaissez le principe. Mais c'est quand même bien de le rappeler. Sur ce, moi, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous le rappelle, peu importe que vous soyez
soyez seul, en famille ou pas, on s'en fiche, puisque Noël, les fêtes de fin d'année, Yulé, tout ça, c'est dans le cœur avant tout. Et vous l'avez vu, le rituel, c'est pour nous avant tout. C'est quelque chose qui nous est propre. Ce sont nos résolutions personnelles. Ça ne concerne personne d'autre. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas besoin de le partager en famille, puisqu'au contraire, c'est un moment qui est uniquement dédié à nous, hein. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.